Chers amis, amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue, bienvenue dans votre émission Espace Dialogue. Avec moi, Josué Boloa, l'international, là, la réflexion et la connaissance se rencontrent. Je suis très ravi de savoir que vous êtes très nombreux. Yakopé Sabiso Batansu Nabino. Merci de choisir ce site www.congodialogue.com. Grand merci à celui qui est derrière la caméra ainsi qu'à la réalisation, Jean-Marie Poupa, hein, le vétéran et puis chasseur de l'image ici en Afrique du Sud. Cette émission est diffusée ici au niveau de Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous, n'est-ce pas, parlant de l'actualité, les discours de M. Joseph Kabila, n'est-ce pas? Les discours de M. Joseph Kabila au niveau de la RDC, au niveau de Kinshasa. Quelle est votre réaction? Je crois qu'il y a tant d'autres personnes qui en ont déjà parlé. Son discours, est-ce que c'est un message ou comment? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. le président Kilele, qui aura aussi à donner son impression. Nous aurons aussi parlé un peu de notre... Moi, monsieur Boketshu Ayambo, n'est-ce pas, qui m'a menace parce qu'il a parlé sur MLC, beaucoup de réactions, mais ce qu'il est la copéception de réaction. Vous avez soulevé concernant monsieur Jean-Pierre Bemba, président Kilele. En passant, je salue moi, Ndeko Boketshu Ayambo, il a dit ce qu'il pouvait dire par rapport à dénoncer, je crois qu'il va attaquer et puis parce que le Baki, Makambouya, Jean-Pierre Bemba, c'est. Donc, groupe Naye Mobimba, hein, il remarque que Baza est corrompu. Et un de ces membres-là s'attaquait à Boketshu Ayambo. Pourquoi Bandengwa? Oui, je me rappelle encore de Boketshu, quand nous étions des étudiants, on dansait à son rythme de Sunda, Sunda, Sundama. On ne peut pas oublier, c'est un grand artiste. Mais les compatriotes Boketshu, il est libre d'exprimer son opinion contre le mal comme nous le faisons. Maintenant, comme moi je le fais maintenant. Il est libre. Oui, je vis, on m'a dit qu'il y a un Congolais qui s'est attaqué à lui, mais je pense que ça c'est une erreur. Boketshu n'est pas stupide. S'il n'a pas de doctorat, s'il n'a pas ceci et cela, mais c'est un être humain qui raisonne, qui a une tête, et qui sait voir, entendre, comprendre et analyser. Bon, si il s'attaque au MLC, mais il n'est pas le seul à le faire. Ouais, ouais. Et puis, la performance de MLC est connue de tout le monde. Il n'y a pas que Boketshu. C'est nous tous qui parlons. Alors que celui qui l'a attaqué s'attaque à nous tous et s'attaque à tous les Congolais. Parce que nous connaissons les mots du MLC. Nous connaissons, c'est pas caché. Donc, on doit épargner les compatriotes Boketshu de tout ce qu'on lui donne comme reproche, qu'on lui fait comme reproche. Nous tous, nous connaissons que le MLC est en partie des corrompus. Tous. À partir du sommet jusqu'à la base et de la base jusqu'au sommet. Ce sont eux qui ont soutenu. Je n'ai pas vu la déclaration de Boketshu. Mais quelqu'un m'a téléphoné qu'il y a quelqu'un qui s'est attaqué à lui. Bon, malheureusement, il n'avait pas assez d'unité pour me développer tout. Nous tous, nous connaissons que le MLC, c'est un parti corrompu. Jean-Pierre Bemba, qu'on doit appeler Jean-Pierre Mobutu et non pas Bemba. Hein? Jean-Pierre Mobutu Sisseko. S'il est devenu opposant, malgré la fortune de son père, une fortune qui est à moitié volée à la République démocratique du Congo, la République du Zaïre de l'époque. S'il est devenu opposant ou politicien, c'est parce qu'il a été soutenu par Museveni l'Ougandais. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Où est-ce qu'il a eu les armes? Pourquoi il n'était pas politicien à l'époque de Mobutu? S'il est réellement un nationaliste et s'il défend le Congo. Nous connaissons son passé, nous connaissons l'origine. Il a été financé par le président Yoweri Museveni pour affaiblir Laurent Désiré Kabila. Donc ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un politicien d'origine, c'est quelqu'un de fabriqué. Ce n'est pas un politicien d'origine. Jean-Pierre Bemba, quelqu'un de fabriqué. Mais oui, c'est quelqu'un de fabriqué. Parce que nous connaissons qu'il a été financé par Museveni. Et Museveni, lui, qui a été financé par Bill Clinton, tout comme Kagame. Jean-Pierre Bemba a fait tuer beaucoup de compatriotes de l'Équateur. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on dise? Ce n'est pas seulement le compatriote Boketshu. Non. C'est lui, lui-même qui avait dit, ce qui va proclamer l'élection que Joseph Kabila, entre guillemets, à Leki, à 11h ou 10h, n'a qu'au Kinshasa Nyoso. Mais l'heure va proclamer Ango. L'heure va proclamer le résultat. Mais il était le premier à sortir pour dire non, que personne ne bouge. C'est lui encore. Et pendant ce temps, à Bimi, il est allé se cacher à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et à partir de là, il a quitté Bakoti, un avion accueilli après qu'il ait touché l'argent et déclaré « J'ai accepté l'inacceptable ». L'inacceptable qu'il avait accepté, Zalinine. Zalar. Mais comment? Donc, qu'on ne sacrifie pas mon compatriote Boketshu, qu'on ne le sacrifie pas. C'est un patriote, un combattant. Il a commis des erreurs dans ses propos, comme moi je peux aussi les commettre, mais il ne fait que dire la vérité. Peba Tikaye a continué. Boketshu Ndekonangai continuait de dire cette vérité, comme Mobutu le disait, Oyekoya Eya. Il n'y a pas que toi seul, nous tous nous nous dressons contre ça, parce que tu es biqué. Bemba est allé subir un lavage de cerveau et Sika Zalaki. Comment depuis on voit qu'il a prison à l'obéna de mon côté? Dans un ex le Kang on a mokoza na Rome, dans Vatican, parmi Basser, auto te franga avant-hier, que ba mona qui est côté Vatican, à qui nous sommes Vatican. Yemoto Azali opposant contre Hippolyte Kanambe. Et puis c'est écrit dans les médias sociaux que c'est Kanambe qui a payé 10 millions, je ne sais pas, de dollars pour l'ouverture du congrès du MLC. Bazala Kiwapi va organiser le congrès. Pendant tout ce temps que Jean-Pierre Azaki est en prison, MLC organisait le congrès. Comment? C'est quelle coïncidence? Alors on a prison du coup, bon, congrès ils ont organisé. Bongo Azul la Rouapi. Est-ce que curieux, monsieur le président, on a vu la présence de grandes têtes, au niveau ya congrès. On a vu Félix Tshisekedi, on a vu membre monsieur PPRD Nakati. Donc ça rentre dans ce que tu disais, qu'il n'y a pas d'opposants. Vous voyez ça? Il n'y a pas d'opposants. Ce sont les oiseaux de même plumage. Hein? Bazaïba, Abengi Atundu. Abengi Rwandais Moussouswana, comment il s'appelle, celui qui était l'ancien président, l'ancien secrétaire général du PPRD. Le professeur Sissimo Vassakana, c'était Rwandais. Hein? Abengi, et puis les caméras et tout le monde était là. Depuis quand? Parce qu'un congrès, il y a parti. Ezali Kindoki. Congrès a parti. Ezali Bondoki. Oui, donc, biloko bako discuter. Les rapports qu'ils vont donner au public, Ezali à peu près différents, n'a pas secret moussous la kati. Ezali Bondoki. Bon, comment on va inviter les caciques du parti au Bozoko Baké, Bozalou combattre? Et ils viennent assister à toutes les séances, à toutes les sessions. Résolution sur besoin, Bazaliwana. Et après, bon, vous échangez de poignées de mains, vous mangez, vous buvez. C'est quel congrès? Et c'est quelle opposition? Il n'y a pas d'opposition, non. Ce sont les oiseaux de même plumage qui se moquent de nous, les Congolais. Alors, ça rentre dans ce que je disais. Nous devons combattre ces gens. Nous devons les tuer. Bango bazana la ra ko bomba biso plutôt bomba bango. Oui. Voilà, merci Boza Branché Connecté. On s'étend petit à petit à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Boza vraiment libre à copier ça va point de vue Nabino. Numéro est en petit écran. Wabino Josué Boloa. Facebook Pesakara Josué Boloa. WhatsApp numéro Yangoza affiché na petit écran. Donc grand prêtre mère Francine Ngembe, on réfléchit ensemble avec le président Kilele. Je crois que Bandeko Bozolanda Bisso Boza libre à copier sa opinion Nabino par rapport à ce que Monsieur président Kilele Azoli Koloba. Donc Didier Kung à niveau allemand, nous le bas qui n'a pas sa présidence. Kilele Mbote, merci. Yeyo Azana Plateau Nabisoawa. Coup de chapeau, monsieur le président Kilele. Et cela témoigne que vous êtes la voix des sans voix. Merci. Et ce que vous faites ici en Afrique du Sud est vraiment, ça résonne. Hein? It's sounding everywhere à travers le continent. Donc coup de chapeau à vous. Et vous êtes là et sélectionné avec Madame Justine Kasa-Vubu ainsi que tant d'autres personnes. En fait, votre réaction quand vous avez su cette information, vous êtes sélectionné parmi les gens qui influence la diaspora au travers le continent. Merci d'abord. Sauf que je ne savais pas qu'il y avait des élections. Le mot est très lourd. Élection. Et quand il y a élection, il y a des candidats. Et quelqu'un qui se porte candidat, la candidature, c'est un acte volontaire de quelqu'un. Ça signifie tu te présentes, tu te portes candidat, volontairement. Mais moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait des élections. Okay. Il y a un jour, j'étais dans mon salon, en 2 heures pareil, vers 17 h. Je reçus un coup d'appel d'un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Mobenga, qui a des dreadlocks de Rasta. Il me dira... Bonsoir ou bonjour, monsieur le président. Bientôt, vous serez peut-être invité. Il faut que chacun d'entre vous présente, prépare son CV, parce que vous serez invité dans des conférences, et ceci et cela. Et vous avez été sélectionné. Bon. Il y avait ma petite fille qui était à côté qui me dit, mais papa, what is he talking about? You are a president. J'ai dit bon, ben, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis bon, la conversation a été coupée. Bon, j'ai reçu la conversation. Après, ben, des gens commençaient à m'appeler que non, ben, vous êtes sélectionné. Et puis, soit vous êtes les premiers, les seconds. Et puis, on m'a dit qu'il y a une femme qui s'appelle Justine Kasa-Vubu, qui était élue. Bon. Je trouve quand même que c'est une usurpation, une invasion de l'espace de quelqu'un, parce que je n'avais jamais été contacté pour présenter ma candidature. Et pour aussi présenter ma candidature, je devais savoir à quoi ça rimait tout ça. Être président de la diaspora, ça signifie quoi? Je ne savais pas. Président de la diaspora, il y aura quoi? Quand on est président de la diaspora, c'est vous qui allez vous opposer à Kanambe ou à quelqu'un d'autre pays. Donc je n'avais rien su. Mais qu'à cela ne tienne, bon, c'est un exercice peut-être de sympathie politique de la part de notre compatriote Jean-Claude Mobenga, que je salue, et je lui reproche d'avoir mené ce genre d'élection sans contacter ce qu'il visait. Bon, s'il m'avait visé moi comme étant un des candidats, parce qu'on m'avait parlé aussi du professeur, je crois, Lucien ou Julien Tchakoudia, etc. Bon, ça va. Nous tous, nous convergeons vers les mêmes objectifs. C'est l'éveil des consciences de nous tous. Que nous ayons le courage de pouvoir attaquer de plein fouet nos ennemis, qu'on ne soit pas froissés et qu'on s'éduque. C'est une façon de nous éduquer. Et bon, si j'ai été sélectionné par lui, pas mal, merci. Sauf que la procédure a été mauvaise parce que je n'étais pas au courant. Et si la sœur Justine a été élue par lui, ou par d'autres internautes, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bon, félicitations à elle. qu'on nous donne maintenant des lignes à suivre, ce qu'on appelle les job description. Yes. Qu'est-ce qu'un ou une présidente de la diaspora doit faire? Yes. Il faut qu'il y ait des descriptions des tâches de l'élu, de l'heureux ou de l'heureuse élu. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer un parti politique de la diaspora. Nous devons créer, je ne sais pas, une banque. Nous devons créer une université, une école. Nous devons créer un parlement où nous devons ouvrir des ambassades par-ci par-là. Je ne sais pas. Jusque-là, je suis dans les flous. J'aimerais que les compatriotes bien-aimés, Jean-Claude Mobenga, puisse nous expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire-là d'élection de président ou de la présidente de la diaspora. All right. Je crois que le message est passé, monsieur Jean-Claude, partout où vous êtes, je crois et je suis certain que vous nous suivez, et je crois que vous êtes abonné de Congo Dialogue et vous êtes aussi un ami fidèle, un téléspectateur suivant chaque fois ce qu'il les passe dans nos petits écrans ou dans vos petits écrans pour suivre ces interventions. Alors j'aimerais et il souhaite que vous puissiez un peu en parler plus pour avoir plus de détails. Mais dis-moi, c'est un aspect positif, monsieur Kilele. Non, pas mal. Pas mal il pour... doit continuer. Yes, yes, je ne suis pas contre ça. Je ne le critique pas. Je parle seulement de la mauvaise procédure parce qu'on n'était pas au courant. Il doit continuer. Et s'il a d'autres idées novatrices pour nous réunir, pour créer un lobby, qu'il continue. Il est d'ailleurs aux États-Unis. Toute la politique du monde se joue là-bas. Et je pense qu'il a plus d'opportunités de contacter toutes les forces vives des États-Unis pour que nous soyons tous ensemble et que nous puissions déboulonner l'occupation au pays. Donc, je le soutiens et je le présente les félicitations. Nous terminerons avec ce point que je crois qu'on ne va pas terminer ça aujourd'hui, les comptes à rendre. Votre réaction par rapport à ces professeurs et... J'ai déjà parlé peut-être de comptes à rendre sans les dire. Les comptes à rendre, ça signifie les auto-occupants qui sont chez nous ont des comptes à nous rendre, nous, la population congolaise. Nous qui ne sommes pas aux rênes, aux commandes du pouvoir. Je voulais donc dire qu'ils doivent nous rendre les comptes, et nous devons leur rendre les comptes. Ils se disent qu'ils ont reçu mandat du peuple congolais. Il y a ceux-là qui ont été élus, qui de parlementaires, donc sénateurs, députés, etc., gouverneurs de la province qui ont été nommés, etc. etc. Il y a eu des élections à plusieurs niveaux. Ils se disent qu'ils ont mandat du peuple congolais. Bien que, en ce moment ici, tous se sont illégaux depuis que les mandats, leurs législatures, etc. Sont terminés. À tous les niveaux, provincial et au niveau national, tous sont dans l'illégalité. Je crois qu'il y a des nominations qui se font chaque jour. Ça c'est du banditisme politique. Au nom des quelqu'un qui est généraux, hors... On ne peut même pas appeler hors mandat. Quelqu'un qui est hors usurpation. Parce qu'il n'a jamais été élu. 2016, 2011, il n'a jamais été élu. Raison pour laquelle il s'entiche au pouvoir. Mais disons, prenons ça comme ça y est, d'une manière simpliste, qu'ils ont reçu mandat. Ils se disent qu'ils ont reçu mandat. Ils ne nous ont pas rendu compte de la mandature qu'on leur a donnée. Par contre, ils sont comptables des salaires qu'ils gagnent, des avantages qu'ils reçoivent, du pouvoir d'occupation, et non pas de rendre compte à la population. Les comptes, c'est quoi? C'est le développement, c'est la construction des infrastructures, c'est l'amélioration de la vie de tout citoyen, c'est le respect des droits de l'homme et du citoyen. Mais tout ça, leur bilan est nul, tellement nul. Bon, on parle des 5 chantiers, bien sûr. Ben écoutez, les 5 chantiers. Les 5 chantiers, ce sont les mouroirs, ce sont les fosses communes qui sont partout, ce sont les 5 chantiers. Alors, le fait qu'ils ne rendent pas compte, donc ils se moquent de nous. les Congolais. Eux qui sont les élus. Ils ne peuvent, comme ils ne nous rendent pas leur compte, nous devons leur rendre compte en les tuant. C'est ce que je voulais dire. Ça signifie, nous devons nous emparer de ces gens, les tuer. Parce qu'ils ont abusé de notre confiance, de nos votes, du mandat qu'ils prétendent avoir reçu de nous. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné en retour? Nothing. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de soins médicaux. L'hôpital de référence de Mama Yemo. Nous avons toutes les photos, toutes les images. Où l'on place les morts à même le sol. Il n'y a pas de frigo pour garder les morts. Il n'y a pas de cercueil. Il n'y a rien. Il n'y a pas de civière. Il n'y a pas de lit d'hôpitaux. Les fonctionnaires ne sont pas payés. On paye 80 $ ou 60 $. Les militaires, 40 $. Pendant qu'eux ont des sommes et des salaires faramineux. Bah, militaire congolais, ce que vous avez militaire. C'est le moment de tuer tous ces gens. Nous devons leur rendre compte parce qu'ils ne nous ont pas rendu compte. Ils nous doivent. Et comme ils ne se sont pas justifiés de la mandature qu'on leur avait donnée, voilà. Ça va. Merci beaucoup, monsieur le président. Excusez-moi. Quand elle est là, parle un peu de la rébellion. Oh, bon. Compte à rendre. Monsieur le président. Nous devons tuer ces gens. Parce que bazo bois kasoyi na miso na elongina biso que tozali peuple moko pamba. To pes na ngomanda ba vimbisima bumu bazana ba voiture mais biso tozana pauvreté. Mboka ezali nulle part. Pendant que le Nigeria venait d'inaugurer première ligne na ya TGV. L'Éthiopie un pays ya nzala. A inauguré TGV naïe, pays en Zala. Et nous n'avons rien. Il n'y a aucune compagnie d'aviation, pas de compagnie de transport. Nous avons la coûte parce que la route, c'est le moteur de développement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, ces gens ne méritent pas Bazala et Sika Bazali. Bah, Congolais, on doit s'attaquer à tous ces politiciens et aux musiciens qui nous balance toujours l'image. Il y a bateau oyo, il faut tout respecter. Banze monyo sur les musiciens, il y a Bawera Sonne, il y a Banani. Ça ne fait que chanter général tel, commandant tel, colonel tel, ministre tel, ceci et cela. Une bande de médiocres et de voleurs et des idiots utiles qui se font passer pour des politiciens. Mais quand on est politicien, on sert l'autre. Et là, nous rentrons dans la devise de Mobutu, dit impère. Impère, servir. C'est servir, non. Il voulait dire, il faut d'abord servir la population, bien qu'il y ait à Sala et à Ngote. Et c'est ce que nous devons faire. Mais, yo, au Kende, ba nommé yo, ou bien ba élire aux alliés députés. Et tu ne fais rien. Vous voyez des détraqués mentaux tels que Kabasu, c'est Kabasu Bababasu. Zakari Bababasu, qu'on fait passer, dont on fait passer des séquences à Zoko Bakena. Vous voyez des détraqués mentaux comme ça, et qui sont appelés les honorables. On a sali injure contre sur la population. Réveillons-nous. Et le réveil ne doit pas se limiter seulement dans des marches. Aiguisez vos armes, mettez Bamindouki dans les carquois et tirons sur ces gens là-bas. Toko Tanakati, il y a arsenal, Toko Tanakati, il y a dépôt, il y a armes, Tozo, il y a armes, et attaquons-nous à tout le membre du gouvernement. Bango tout, nous devons le tuer, le manger. Ils comprendront. Président, Juste une petite réflexion, une petite réaction par rapport à la rébellion qui se surgit maintenant au niveau du Rwanda. Est-ce que la deuxième facette était que ils ont la mission de venir un peu, je ne sais pas s'il faut occuper encore la population congolaise. Oui, je n'y crois pas. C'est que vous dites là, vrai. Je ne crois pas en une rébellion au Rwanda. Car Kagame est capable de tout. Parce que nous avons été témoins de beaucoup de rébellions qu'il a créées. Lui, de connivence avec son cheval de Troie, Hippolyte Kanambe, M23, RCD Goma, RCD Kisangani, RCD Tanzania, RCD Wamba Diawamba, les Analou, les FDLR, les ceci et cela. Ils sont capables de tout. Mais on peut toujours donner un crédit de doute que parfois, ils allaient à solo que le général Faustin Kayumba Nyamwasa organise une rébellion. On peut, parce qu'il a survécu ici à des attentats, d'assassinats. Peut-être, il peut les déboulonner. Et ce serait mieux pour nous. Ce serait un bon souhait. Mais pour le moment, nous ne devons pas être très naïfs en croyant que les alliés rébellions, il y a solo. Parce qu'ils peuvent toujours créer cette rébellion kuna na est pour que l'élection est salamatée na Kinshasa. Bon, ils vont dire voilà, il y a des troubles au Congo comme d'habitude, que la Monique ou la Monesco continue à rester là-bas. Bah côté la Monesco et que le côté à est et du côté à Beni, côté à Ituri, tout ça, et on va continuer toujours à y déverser bah réfugier les 36 000 familles Rwandais et Rwandais et Tanzanie, bah occuper place Wana, et avec le temps ils vont faire appel aux Nations Unies pour venir dire voilà la détermination. Après avoir décimé toute la population autochtone de là, ils vont parler de l'autodétermination d'un peuple, ils vont appeler les témoins, voilà, ici il n'y avait pas les Congolais, ce sont des Rwandais, tout le monde ne suit pas les Kinyaranda. Alors, on va appeler un ignorant américain ou français qui vient. Et il ne connaît pas les Bantous, il va dire oui, c'est vrai, ce sont tous des Rwandais, alors on vous donne un pays. Parce que la balkanisation des pays n'est pas encore terminée. Bakati, Soudan, Yougoslavie est produisant 5 pays, Croatie, Monténégro, Herzégovine, Serbie, etc., Kosovo, pays moko. Donc, nous sommes encore dans la ligne de tir des balkaniseurs, si le terme existe, de plusieurs pays. C'est comme au besoin, même en Afrique du Sud, la même tendance est ici. Les cohésans et les métis se dressent maintenant contre le pouvoir de l'Afrique du Sud et ils déclarent la sécession de la province du Cap de l'Ouest, où ils ont même servi une note d'éviction du Parlement sud-africain à partir du Cap pour leur dire que vous avez construit votre Parlement sur la terre de nos ancêtres. Et depuis longtemps, nous les Métis et nous les cohésans, nous ne bénéficions pas des dividendes de la démocratie en Afrique du Sud. Alors nous proclamons une république qu'ils ont appelée Good Hope Republic. Et vous savez que les côtés de KwaZulu-Natal aussi, les Kinguzulutun, les autres, Sabard aussi, ils veulent aussi créer leur propre république. Donc, la tendance de créer des petits États ne s'arrête pas seulement au Kosovo, ne s'arrête pas seulement au Soudan, mais au Congo, nous avons tenu pendant cette vingtaine d'années, les Congolais, malgré un peu leur passivité, ont tenu contre l'invasion étrangère, mais nous ne devons pas rêver, nous devons toujours continuer à dire non et adresser un mur de résistance contre la balkanisation pour que le Congo reste le seul Congo. Donc, to croire que ma kambo rébellion au côté libanda, même à tabango bazana rébellion, za rébellion la bango, za rébellion ya bisoté. Et puis ceux qui rébellion zali et la qu'est-ce que biso zana biso pamba bango va se dresser contre un pouvoir dictatorial pendant que biso dozo ko soutenir pouvoir dictatorial. Donc ekozala bisoté, sans doute ça va déséquilibrer Kagame et si Kagame partait, je suis sûr que Hippolyte peut aucun, mais aussi il ne peut pas partir parce que nous avons affaire à une bande de jouisseurs. Donc, ne soyons pas naïfs, la rébellion de l'Est n'est pas la nôtre et elle ne vient pas pour nous sauver, pour nous libérer. Et si elle nous libère, ça prouve que tout ça n'a pas été bassi. Toi, mes balles étaient bisous à Congolais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci et salut à tous les compatriotes. Le Congo est nôtre et nous devons continuer à lutter contre le mal. Nous devons tout faire pour dénoncer le mal et nous ne devons pas nous mettre à laver les pieds de malfaiteurs, ceux-là qui sont des fanatiques et qui croient qu'en soutenant tel, qui mangent et qui font la romance avec l'occupation, ils font la politique. Monsieur Djemadar Evibikil Kilele va continuer à s'attaquer au mal. Peoyekoya Eya. Vive le Congo, vive le Mumba. Boketshu Ayambo continue. Merci beaucoup. Moi, c'est Josué Boloa. YouTube, c'est Congo Dialogue. Facebook, c'est Josué Boloa. Grand merci à Jean-Marie Poupa qui était derrière la technique. Vous avez suivi les réflexions, pas de commentaires à se faire. Vous avez des questions? Les numéros sont affichés à la petite écran. Banamboka, Tolamuka, Tolamuka, Tolamuka. Congo, un jour, Ekoza l'a sauvé. Merci. On se retrouve à un prochain numéro. Bye.